maintenant. Christophe Pourcel est troisième et place à Ilaï Tomac. C'était celui, hein, le pilote le plus rapide. Il va falloir aller chercher, hein, parce que 38,5 oui. De Brayton, le 38,5 Brayton, c'est pas évident à aller chercher. Ah, c'est là où on voit que rien ne va être fait pour les courses qui vont suivre. Il fait l'intérieur, là, il veut pas faire l'enchaînement complet, donc il fait sur le plateau. Passage dans la série de whoops où il est impressionnant. Il rentre en wheeling, en roue arrière dans la série de whoops. 5 dixièmes d'avance. 5 dixièmes d'avance. Allez, c'est bon, c'est pour lui. Largement. Largement. Meilleur temps avec 9 dixièmes d'avance, quasiment une seconde de mieux que Justin Brayton. Comment, Jean-Michel, on a envie de vous demander, vous qui êtes professionnel de cette discipline, qui avez été champion du monde, comment on arrive à gagner une seconde comme cela, comme l'a fait Ilaï Tomac? Non, mais là, c'est, voilà, il est vraiment dans le rythme du championnat US, toutes catégories confondues. Voilà, regardez, il rentre dans les hoops, il est sur la roue arrière, la moto, elle vole sur les bosses. Voilà, il y a beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse, pas de faute. C'est quand ça va comme ça va forcément très très vite. Et, incroyable.